Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va enfin aller à un endroit que j'attends avec impatience. Et ce sera avec notre cher dragon. On y va, c'est parti. Putain, ils l'ont matérialisé en l'air et tout la wyvern de fer. Ah non, vous êtes sérieux là? Pas cool. Double chargement. On y arrive, putain, on y arrive. Enfin. Waouh, nouvelle musique. Comment ils ont pu ne pas voir cet endroit après toutes ces années, je comprends pas. Et comment je suis sans... Ah oui, d'accord, ok. Faut faire le tour, c'est ça? Ah ouais, le méga giga grand tour même. Putain, comment c'est classe! Même la musique, elle est géniale. Allez, petit combat. Ils ont vraiment un peu laissé un clé barbare. Allez, girl. C'est fou cet endroit totalement tropical. J'adore la musique. Vous avez vu ces dessins? Pah, je m'attendais pas du tout à ce genre de truc. Mais ils ont vraiment voulu, je pense, faire ressortir le côté très vieux d'un truc qui s'est passé il y a plus de 10 000 ans. Mais on se demande comment la ville peut encore être debout, quoi. Clairement, j'ai tellement hâte de voir la ville. J'ai tellement attendu ce moment, vous pouvez pas savoir. J'en ai des frissons, là, clairement. Thank you.
Et c'est une victoire, les gens. C'est une belle et simple victoire. Voilà, on y est presque. Et donc, je disais, ouais, c'est impressionnant cet endroit. En fait, ça fait penser presque à un endroit préhistorique. Il y a des grandes cascades, des vestiges. Enfin, c'est ouf. C'est juste ouf. Ça fait chier, j'ai pas envie de me battre. Oh, je veux vite y aller, s'il vous plaît. Vous êtes chiant. Waouh, il me fait mal, lui. Je peux attaquer à un moment donné ou tu vas continuer à prendre la fuite? Allez, il manque plus que la Petra Mandre, contre qui je suis super efficace apparemment, génial. Vite là, parce que t'as presque plus d'endurance mon petit, bravo. Ok, on a fini. Et même le décor de la reine d'ailleurs est magnifique. Hein. Putain, j'adore la musique. Bon, ok, on y est. Alors par contre, ce qui m'étonne en fait, c'est que ça ressemble pas à une ville. Il y a genre juste un escalier. La sorcière céleste, ok, je viens de comprendre. La ville, elle est pas là. La ville, elle est en haut. La ville, elle est dans le ciel. Peut-être encore plus haut que l'endroit où vole le dragon. Là, je pense qu'on est sur du... Vous voyez, ce genre de jeu, hein, c'est peut-être un schéma classique, mais c'est le genre de choses qui me déçoit pas. Ça me décevra pas, je le sais. Contrairement à des jeux où j'ai pu être déçu, celui-ci me déçoit pas. Ah ouais, c'est pas du petit pont qu'on vient de construire. Mais bon, ça c'est pas la ville quoi, c'est juste les ruines qui permettent peut-être d'accéder à la ville. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne, mais on va voir. Donc c'est bien Ara Memoria. Bon, évidemment, on sait ce qu'on doit y placer à l'intérieur. Alors par contre, ce qui est assez marrant, c'est de voir que, pour une fois, ça ressemble exactement à ce qu'on voit de l'extérieur. Et d'ailleurs, on peut voir l'extérieur, on peut voir le pont, et ça, c'est super bien fait. Donc ça fait bizarre d'être à cet endroit, parce que j'attendais que ça depuis le début du jeu, c'était de pouvoir aller là, putain. Première fleur. Comment c'est trop stylé! Putain, j'ai trop hâte de savoir ce que c'est, ce qui va se passer, purée! C'est un truc de fou! Attention les gens, dernière fleur. Ok, donc il y a sûrement un truc à activer, je suppose. Au milieu.
Vous êtes prêts? Je mange le sang. いくら待っていても誰も私の前に現れません。だから私は昔の出来事を思い返すだけになりました。楽しかった日々を思い浮かべて寂しさから逃れようとしたのです。そうやってどれほどの年月が過ぎたのでしょう。そしてあの日、あなたは私、どうしてここに、あなた誰なの、どうして私の前に現れたの。分かったわ、あなたは私を責めてるのね。みんなを死なせてしまった私を。だったら消してやる。そうよ、消せばいいのよ。あの聖杯で消し去ればよいのだ。そう、我が名は灰の女王。お待ちしておりました、女王陛下。美しき聖杯により、世界は一度滅びを迎えた。私こそが世界を終わらせる女王。我々が世界を管理し、何度でもやり直す。この聖杯の力で。ではこれより評議会を始める。黙れ。え？ねえ、あれ。宮殿が空を飛んでやがる。少女、またもや我々の邪魔をするという。美しき聖杯を消し去り、不完全な世界を救うとは。聖杯？まさか。そう、私は灰の女王、世界を管理する。世界が終焉へと向かうのは管理者としての決断。もはや覆すことなどできぬ。灰の女王。Thank you.
Et bien ça y est, on arrive dans le cœur de l'intrigue. Donc en fait, Lena, c'est bien la reine Selene. Wow ! Je l'ai pas vu venir celle-là. En revanche, je vous l'avais dit, ce serait dans le ciel. Par contre, visuellement, je m'attendais pas à ça. C'est juste oufissime. Ce qui est marrant, c'est qu'il nous cache le moyen de propulsion du château. En revanche, c'est tellement stylé. Bien sûr, on va se reposer en préparation de la bataille. Il est temps, les gens, on va y aller. Vous la sentez arriver, la méga cinématique là? Écoutez, on va pas se mentir, on va juste sauvegarder et ensuite, évidemment, nous sommes prêts. Bien évidemment que nous le sommes, enfin, qui ne le serait pas dans ces cas-là? On va attaquer la dernière de chez les dernières phases du jeu. Es-tu prêt pour l'affrontement final? Mais bien sûr! あんだけの攻撃でびくともしてねえぜ。やはり聞いていませんでしたか。しかし良いのです。あの作戦の本当の目的は二の国の人々の気持ちを一つにすること。あ、そうなのか。ならいいんだけど。ジャイロったらいざって時にも臆病なんだから。いや、俺はな、人より慎重なだけなんだって。みんな、この先にハイの女王レイナスがいるんだ。 Bon, je reconnais quand même que là j'ai deux déceptions. La première, il n'y a pas eu de cinématique Ghibli.
et je m'y attendais à ce qu'il y en ait une, donc un peu déçu. La deuxième, c'est que bah, ils auraient pu faire une musique exprès pour là. Pourquoi je sens que ça a bougé, ça? Ouais, je m'attendais à ce qu'il y ait une musique créée pour l'occasion, et au final, on se retrouve avec une musique classique de donjon. Ça fait un peu chier. Ça fait un peu chier parce que bon, ça aurait pu être mieux, quoi. Par contre, le château est de toute beauté. Alors, qu'est-ce que des monstres font ici? On va me le dire, je sais pas. Ça n'a rien à faire là, mais bon. Waouh, je leur fais que dalle, les dégâts, non? Encore lui, je lui fais plus de dégâts. Le problème, c'est que je subis toutes les attaques. Donc à un moment donné. Oliver niveau 50, ça y est. Je sais pas trop où aller. Il y a 306 000 passages. Ça a l'air d'être un vrai labyrinthe cet endroit. Oh putain, il y a des téléporteurs. Les gens, on est bien dans un château de fin de jeu. Clairement, là, il n'y a pas photo. Ok, bon, l'essentiel, c'est que je suis arrivé dans un endroit où il y avait juste un petit coffre. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On se le tente à gauche? Allez, on se le tente à gauche. Ah ben ça c'est pas cool. Ah ouais quand même, toi tu t'emmerdes pas. Si sa main à la mératique elle était aussi forte. Ok bon, je pense que... Il est temps. Ça leur a fait, ils ont gagné pas mal de PV. Hein. Et si je faisais un Noctus fort, juste comme ça? Ouais, les gars, vous allez prendre cher là. Wow. Mince, j'avais pas vraiment prévu ça. Est-ce que je vais la ressusciter assez vite? Non. Dommage. Trop lent. Cul-de-sac. Cul-de-sac. Ok, je vais aller à l'opposé maintenant. Alors attendez, petit... premier soin quand même. Donc, on en est là. La flemme, hein, vous savez quoi? On va accélérer la fin du combat.
Merci Jean-Luc. Ça, c'est ce que j'appelle un vrai sorcier. C'est, par contre, vous voyez, ce que je pense que j'ai vraiment kiffé durant cette aventure, c'est le réel gain en puissance d'Oliver. C'est-à-dire que... En général, on gagne de la puissance proportionnellement à la puissance des monstres. Mais là, non. Bon, oui, en soi, mais on a quand même gagné des sorts suffisamment puissants pour être aussi capable de one-shooter les monstres classiques. Et je trouve ça génialissime. Donc du coup, je viens de gagner une armure céleste. Qui peut s'équiper de cette armure? Eh ben tiens, pourquoi pas toi? Mais par contre, ta précision, elle baisse à mort. Hein. Moins 48 de précision. Bon, il me reste à aller où? Un peu plus vers le fond. Il est magnifique ce monstre. Ils sont tous même magnifiques, j'ai envie de dire. Mais malheureusement, vous allez mourir, les gars. Vous m'excuserez, mais... Il restaure la vie carrément. Bon, ça va, je les ai tous eus. Bon, du coup, je crois qu'on a fini de découvrir cette partie du donjon. Enfin, pas la partie gauche totalement, mais cette petite partie. Là, il faut revenir vers la droite et repartir un peu vers le nord. Bah d'ailleurs, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on reprendra demain la suite de l'aventure. Je suis vraiment, vraiment ravi d'être enfin dans le château de la sorcière céleste, franchement. Faut reconnaître qu'il est classé ce château, il est magnifique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très vite, bye bye.